On s'y ferait bien. Debout. C'est l'heure du réveillage. Il est 9h30. T'as pas froid toi dans ton truc? Absolument pas. Dans le camion, il pèle. Ouais non, j'ai dormi mais... Comme un bébé. Ah ouais, le matelas là, j'avais oublié qu'il était aussi confortable. Ah ouais, ouais. Un petit café? Ah bah là, ouais. C'est une action de la mine de place. La couleur de la flotte. C'est la peinture anti-corrosion des Lurikans. C'est cadeau. Hein, c'est un peu jaune, ça va. Il y en a qui se lèvent dans les rivières. Hein. En Islande, elles sont propres, les rivières. Donc ça, c'est l'huile de vidange de Driver. Son café d'espresso. Un mot à dire? Dégueulasse. Voilà. Et ça, c'est le rouleau de PQ qui m'a été offert par la dame qui est là-bas. Et qu'il l'a récupéré des toilettes communales, j'imagine, dans lesquelles je me suis rincé la tronche. Voilà, les cadeaux du terroir. Aïe! Oh putain, j'ai envie de péter le genou. Alors du coup, nous, on est à peu près par là. Et il y a une dame super adorable qu'on a rencontrée, qui m'a dit qu'il y avait pas mal de choses à voir par ici. Il y a une abbaye, il y a le point de vue du côté de la Chambotte. Du coup, on va voir si on peut essayer d'aller y faire un tour. Bon, du coup, ici, c'est le coin où je me suis rincé. Et où j'ai rencontré la dame absolument sympathique qui va même proposer un jet d'eau pour pouvoir me laver. Et pour fêter cette rencontre absolument chic tip top, j'ai posé le premier autocollant QR code du rétablissement de l'ordre et de la discipline quelque part où bien sûr ça ne gêne pas et où ça ne nuit pas aux gens. Donc certainement par ici. Alors ça fait chier de le mélanger avec des trucs crades bien sûr. Ici ça me paraît le mieux. Tac, et ce sera relique de le trouver. Faut que ça colle dans le temps. Alors la dame elle est pas très grande, du coup on va le mettre à peu près là. Relique par contre il est grand, il faudra qu'il le trouve. Du coup la dame, relique. La dame, relique. Relique nous a un peu mis dans la merde avec son chemin. Merci relique. Ah là je peux manœuvrer nulle part. Du coup ça sera à hauteur de la dame. Hop là. Tac. Alors j'espère que le QR sera opérationnel même un peu en rond. Le QR fonctionne pas, faut que ce soit lisse. Bon, faut s'y reprendre. Voilà, le tout premier autocollant QR code de la propagande de l'ordre et de la discipline.
Nous sommes là en ce jour. L'immense prestige d'offrir à Volik ceci. Ceci, ceci est votre. Je t'en prie. À quel point c'est fragile? Tu peux y aller. Avec la petite carte et tout. Volik. Ouais. C'est lui. C'était ça qu'il fallait déballer. Non, il n'y a pas que ça. Ah mince. C'est ça là dans le papier. Ouais, ah, ça se déballe. C'est très officiel. Hein. Ah, c'est extrêmement officiel. Je peux cadrer un tout petit peu plus haut. Comme ça, tu vois la corpulence du gars. Il est monumental. C'est notre relique, ça. En fait, j'aurais préféré qu'il déballe la lettre avant, après. Oui. Mais il l'a déballé avant, du coup, il sait ce que c'est. Oui, ouais. Mais du coup, c'est pas marrant. C'est moi la surprise. Je me serais dit, mais c'est quoi ça? Le poids et tout. Coup, personne ne sait ce que c'est encore. Oui, personne exactement. Ne sait ce que c'est encore. Exactement. Il faut jouer la surprise. Oh, ça alors. C'est génial. Pignolage. J'en ai chié à l'emballer. Oui, tu m'étonnes. Et moi je fais avec précaution. Moi je récupère l'emballage. Bon allez, c'est bon là. Oui bah vas-y, on va de toute façon. Ouais, c'est très long. Mais qu'est-ce que ceci? Mais il est signé. C'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Nettoyer, récupérer. Ah, je t'ai même emballé le petit Bitonio. Merci bien. Si jamais. Ouais. Quel plaisir. Ouais, mais en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais tu cadres avec le cul. Un triangle de suspension. Je sais pas si c'est drôle gauche, par contre, que je regarde. Mm. Tu peux pas vraiment savoir, en fait. Mm. En fait, tu sais pas lequel. Voilà, du coup. Ok, ok. T'as participé, donc. Salut tout le monde. Bonjour, Fondard. Salut. Commandant Easy. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait quoi? Je viens de recevoir une notif sur le live d'un YouTube qui s'appelle Pour les triangles avant du CT. Mais c'est le nom de. C'est le nom du don. Enfin, c'est le nom du donateur. Qui s'est créé un compte qui s'est. Ensuite, Uriel essaie de prendre Virage Ouest. Je vais essayer de regarder ce que c'est que cette histoire. Bah écoute, merci les triangles d'avant du CT. C'est très shanty. Mais ça ne partira pas dans les triangles d'avant du CT. Ça partira dans Drakov Corp. Voilà, c'est un peu grâce à moi s'il est là. Mais... Donc après, démerde-toi pour exposer ça. Je t'ai dit, est-ce que ça passe? Bienvenue dans Enquête de Drakov Corp. Aujourd'hui, nous sommes avec Relik, au volant de son fier Picasso. Oh bah super. Dernier contrôle technique datant du 2 juillet 1983. Oh, je sais pas, je l'ai peut-être pas à jour. Aujourd'hui, nous enquêtons sur cette manie de mettre le bras à travers la fenêtre. C'est marrant, parce qu'en plus, il y a des conducteurs devant toi, ils faisaient aussi. C'est marrant ça, on a trouvé ça. Ouais, personne le fait dans notre région. On va faire fils ça. Hein. Vous savez à peu près ce qu'on veut. Oui. Sur notre pizza. C'est des poivrons, des oignons. Des poivrons. Hein? T'aimes pas les poivrons? Si, pourquoi pas. Pas de poivrons. Si, on peut en prendre un seul. Ouais, moi pas de poivrons sur ma pizza. Non. Y a que, le poivron ça accompagne souvent de la viande hachée quoi. Est-ce qu'il a bon goût, Relik? Oui, il a arrêté. Ah, il est... ah oui, ça va mieux du coup. Relik se fait bouffer le doigt par un grillon. Eh, tu dois être savoureux, hein. Je crois qu'il a sorti la pizza.
Et ça fait pas des résidus de farine. Et ça te fait quoi? Des chatouilles. Ah. Si, pince, pas vraiment. Je kiffe sa race en tout cas. J'ai pas fait de manicure depuis un petit moment. Radical hier, il fait. C'est trop bon ça. C'est chez quel restaurant? Relique de Drakov Corp. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour son youtubeur préféré? Oh, bah c'est toi qui as proposé hein. Se faire bouffer par un grillon. Ouais, déjà un abonné se fait bouffer par un grillon pour faire des vues.